personnes du signe zodiaque Lyon pour la période du 1er au... Non. Pour la période du 15 au 31 mai 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables, cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. I just was giving a reading for my Leos, please. Ouh, les lions. Les lions, oui, c'est un parti d'entre vous. On est ici dans une situation où il est probable que vous venez d'avoir une augmentation de salaire. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous venez d'avoir un nouveau travail. Si vous étiez à la recherche d'un nouveau travail, j'ai l'impression que vous allez très bientôt commencer ce nouveau travail. Si vous avez votre propre business, on aura ici une montée en gain quand il s'agit de votre business, que ce soit ici un business en ligne, que ce soit ici un business, you know, terre à terre, dans un store here. Pour une partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est du signe zodiaque taureau ou vierge. Je vois ici quelqu'un qui veut travailler avec vous. Je vois ici un partenariat que vous allez bientôt commencer. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici un partenariat as well que vous allez peut-être commencer vers le 15 quoi. C'est peut-être 15 juin, 15 juillet, 15 mai. Mais le chiffre 15 est important. Here. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici certaines personnes qui ont décidé de retourner à l'école. Si dans le passé, vous aviez pris la décision de ne pas faire l'école, j'ai l'impression que dans le jour d'aujourd'hui, vous avez décidé de retourner à l'école. Vous avez décidé de suivre ici une formation qui va carrément changer votre carrière, une formation qui va carrément changer votre manière de voir la vie, votre manière de voir les choses. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez toujours voulu travailler pour une grande entreprise, je vois ici une grande entreprise demander votre service. Vous risquez d'être employé dans une entreprise d'environ plus de 20 à 30 employés. Pour une autre partie d'entre vous, vous risquez d'être vraiment très occupé. Pour d'autres, si vous avez votre propre business, j'ai l'impression que vous avez envie de donner de l'emploi à certaines personnes. Vous voulez ici employer certaines personnes. On a une remontée d'économie qui est sur le point de commencer. Sur le plan amour, pour essayer de partir, j'ai l'impression que vous êtes ici sur le point de vous marier. Je vois ici, comment on appelle ça? Comment on dit ça même? Je vois ici deux personnes qui sont en train de planifier leur mariage. Peut-être que vous avez déjà commencé à trouver la salle, préparer la cérémonie, inviter les gens. Préparer. Pour cette partie d'entre vous, si jamais vous êtes fiancé ou encore si vous devez être fiancé et que vous êtes africain, je vois ici votre partenaire qui a envie de demander votre main à vos parents de manière traditionnelle. On a ici quelqu'un qui va très bientôt se faire doter. Je vois ici votre partenaire qui veut vous doter, qui a décidé d'acheter des trucs pour aller vous doter en Afrique. Je vois ici quelqu'un qui a décidé de voyager pour aller en Afrique pour doter une personne. Yep. Donc pour cette partie, on est ici dans une situation où il y aura très bientôt un mariage. Il est aussi probable que dès que vous tombez dans un nouvel emploi, en même temps, vous avez peut-être ici votre partenaire qui veut faire de vous sa femme. Pour d'autres, si vous êtes ici célibataire, il est probable qu'il y ait ici quelqu'un qui vous voit comme la femme de sa vie. On a ici quelqu'un qui...
entrer dans votre vie pour vous demander en mariage. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Je vois ici quelqu'un du signe zodiaque Balance. Si jamais vous étiez séparé d'un partenaire, j'ai l'impression qu'il y aura une réconciliation entre vous et cette personne. Et pour une certaine partie d'entre vous, cette réconciliation-là, ici, vous mène carrément à un commitment. On a ici quelqu'un qui ne veut plus vous perdre. Here. OK? Vous pouvez ici avoir affaire à un voyageur. Oui, c'est un parti dont vous apprêtez à recevoir la visite inattendue d'une personne que vous n'avez peut-être pas vue depuis 2 ans ou 2 mois. Mais je vois ici quelqu'un qui a décidé de visiter votre ville et cette personne vient avec plein de cadeaux. Oui, c'est un parti dont vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui conduit une voiture bleue, bleu ciel. Donc, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est carrément un ange sur terre ou quelqu'un qui ne voyage jamais seul. Je vois ici quelqu'un qui voyage toujours avec quelqu'un d'autre. C'est qui ça? C'est son ange, mais c'est une autre personne. I've never seen this thing before. Oui, c'est un parti dans vous. Si jamais vous avez... Si jamais vous êtes connecté ici à quelqu'un qui voyage beaucoup, qui roule vite, etc., j'ai l'impression que cette personne a un ange au fait près de lui, mais il ne sait même pas c'est qui cet ange. C'est bizarre, je suis incapable de dire si cet ange est carrément une femme ou un homme. What? Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est féminin. Et c'est la raison pour laquelle je suis incapable de savoir si c'est une femme ou un homme. Je vois ici quelqu'un qui veut faire de vous sa femme, quelqu'un qui veut vous garder dans sa vie. On a ici quelqu'un qui veut vous rendre visite. Here. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est plutôt âgé. On a ici quelqu'un qui veut vous épouser, mais qui a l'impression que vous allez refuser sa demande en mariage parce qu'il est plus âgé que vous. Parce qu'il est beaucoup plus âgé que vous. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui doit prendre soin de sa mère. On a la mère de quelqu'un ici qui a environ 75 à 80 ans. On a même la grand-mère encore de cette personne qui est toujours en vie. Pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a une expected lifetime, right? Je ne sais pas comment dire ça en français. On a ici quelqu'un qui vit longtemps. Dans sa famille, tout le monde vit longtemps. Ils vivent très longtemps. Très longtemps. La terre, là, ils peuvent arriver à 100 ans, ils sont là, toujours là, vous pouvez bien les voir. On a ici quelqu'un, par contre, qui vient vers vous, qui est déjà âgé, mais ses parents ont déjà 80 ans. Ils sont toujours là. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si jamais vous êtes ici sur le point de demander une personne en mariage, il est probable que vous allez devoir peut-être voyager pour rencontrer les grands-parents de cette personne. Pour d'autres, je vois ici une dot qui doit se faire à l'extérieur du pays, sur le plan international. Yeah. Mais je vois un mariage rapide.
On a ici quelqu'un qui va pas avoir envie d'attendre une seconde de plus avant d'être marié. Je sais ce que je veux être avec toi. Est-ce que toi tu veux être avec moi? Here. Mais pour une autre partie d'entre vous, il est probable que ce soit les parents de votre partenaire qui l'ont supplié de se marier. Surtout si vous avez affaire à un partenaire qui est dans les 40 à 50 ans. On a les parents de votre partenaire qui l'ont supplié à se marier. Du genre, on se fait vieux, tu vas pas, you know. Tu vas pas rester là comme ça célibataire. Tu ne vas pas rester là comme ça sans femme. Tu as besoin d'une femme dans ta vie. Je veux que tu aies cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Pour réserver votre guidance, vous pouvez ici avoir affaire au balance, taureau, vierge, cancer. Je crois que j'ai tout dit. Bisous, bye bye.